giờ chia tay lần cuối gượng cười, mà nghe tim đớn đau xa rời. Bernard Tapie et sa femme Dominique ont été victimes des agressions dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 avril 2021. Le couple a été sauvagement violenté et n'ont malheureusement pas pu en sortir sans une égratignure. Ne pouvant supporter de voir son père dans l'état où les agresseurs ont laissé, Stéphane Tapie a poussé un énorme coup de gueule sur Twitter. Découvrez sa réaction. Une agression en pleine nuit. Bernard Tapie et sa femme ont échappé au pire. Dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 avril 2021, des individus se sont introduits chez eux, les ont violentes, et ont pris quelques biens. Ce triste scénario est déroulé à leur domicile de Conlaville. Selon les informations, les cambrioleurs qui se sont introduits par effraction étaient au nombre de 4 individus. Après leur passage, Dominique a heureusement pu se défaire et alerter les autorités. Il en est sorti sans blessure grave, tout comme son épouse. Et si le montant des biens volés n'a pas été précis, les cambrioleurs seraient parvenus à emporter plusieurs bijoux selon BFM TV. Stéphane Tapie adresse aux cambrioleurs face à agression dont son père a été victime. Stéphane Tapie a pu rester sans rien dire. Furieux à cause de ce que les agresseurs ont fait à Bernard, il leur adresse un message clair sur Twitter. Degré bande de lèches que vous êtes, regardez-vous dans un miroir et osez dire que vous n'avez pas honte de votre ignominie. J'espère que la police vous retrouvera avant moi, plus ou moins, a-t-il tweeté. Pour appuyer ses dires, le fils de homme d'affaires, a posté une photo de son père avec droit d'auteur, il gauche devenu complètement rouge. Bernard Tapie souriant. Photo. Getty Images. Bernard Tapie frappe presque de sa tumeur à la tête. De nombreuses personnes se sont inquiétées pour Bernard Tapie à Prozelle, agression dont lui et sa femme a été victime. Lors des une interview, son fils, Stéphane Tapie, est exprimé à son sujet en révélant que celui-ci a reculé un coup non loin de sa tumeur à la tête durant le cambriolage. Découvrez tous les détails.